résumé de l'épisode précédent. Avant d'aller voir les Grisbarbes, Melwyn se décide à aider un habitant de Blanche Rive à récupérer son épée. Elle ne se trouve pas très loin de là, au refuge de Redoran. Mais le chemin pour s'y rendre est ponctué de quelques jolies rencontres. Bon visionnage! Certains disent qu'il suffit d'être griffé par un vampire pour devenir comme eux. J'espère que ce n'est pas vrai. Parfois, la vie de soldat me manque. Mais quand je tiens ma fille dans mes bras, je sais que j'ai fait le bon choix. Vous l'avez trouvée ? Cela fait des mois que je cherche cette épée. Vous avez vaincu tous ces bandits sans aide ? Merci. J'y pense. Mon père avait une technique à l'épée et au bouclier qu'il affectionnait tout particulièrement. Laissez-moi vous la prendre. Cela honorera sa mémoire. «
Je peux vous apprendre quelques petites choses. Un bon lit bien chaud ne serait pas de refus. J'ai rien fait. C'est toujours un plaisir de rencontrer des compatriotes. Génial! Vous voulez pas être ma mère? Et tu as plus que mérité nos prières, car nous ne faisons qu'un. Avant ton attention, vous êtes comme moi, je vois. Les armes lourdes à deux mains, c'est pas possible. C'est récent, mais on dirait que tous les forgerons de... Venez à Fort Dragon, et nous discuterons des hostilités comme... Il semble que ce maudit conf... Tout ce que j'en sais vient des vieilles légendes à la gloire des héros du passé. Ils utilisaient la voix pour vaincre les ennemis de bord du ciel. On y apprend que les empereurs étaient autrefois enfants de dragons. Mais la mort de Martin pendant la crise d'Oblivion y a mis fin. Les Grisbarbes en savent bien plus que moi. Eux seuls maîtrisent l'art de la voix. Ils l'ont enseigné à Tiber Septime lui-même. Je n'en sais pas plus que ce qu'en disent les vieilles légendes. Le cri est une forme ancienne de magie où la voix devient un vecteur de puissance. Si vous êtes capable d'émettre un cri, allez consulter les Grisbarbes. Ils sauront quoi faire. Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talent pour s'en servir. Malheureusement, non. Mon travail me laisse peu d'occasion de me divertir.
Un héros en attirera peut-être un à Fort Dragon, comme ce bon Olaf le Borgne l'avait fait. La conversation serait alors fascinante. Si je vous disais que c'est une question délicate, vous comprendriez ce que je veux dire ? Non, sûrement pas, en fait. Tant que je peux mener mes recherches seul, je me fiche bien de savoir qui donne les ordres. Bon, je suis très occupé et vos questions idiotes commencent à me courir sur le haricot. Bonne journée. Vous n'auriez pas une petite pièce, madame ? Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Ah, une lettre du Jarl. On grimpe dans l'échelle sociale, n'est-ce pas ? Je crois que c'est bon. Je dois y aller. De viande de qualité. Ah, Isolda. Le ciel à l'enclume, les hommes sont venus tous les mêmes. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon, demandez-moi. Je le... Tout est à vendre, absolument tout. Si... Bon, un peu de tout. Revenez donc. Qu'est-ce que vous regardez? Vous me faites pas peur, vous savez. Même si je suis plus jeune que vous. J'ai des articles de qualité ici, si ça vous... Jetez un œil.
N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je ne prétends pas être... Jetez un œil. Dans ce cas, je m'en vais. Avez-vous rencontré mon père ? Jetez un œil. Que vous cherchez. Si vous vendez... Regardez donc. Revenez donc. Qu'est-ce que vous regardez ? Vous me faites pas peur, vous savez. Même si je suis plus jeune que vous. Passez chez Bellator, au marché. Je suis sûr que nous aurons ce qu'il vous faut. Cette guerre est aussi absurde que la querelle qui nous oppose. Vous avez besoin de quelque chose ? À la différence des autres membres de ma famille, j'ai affaire. Laissez-moi deviner. Quelqu'un vous a volé votre partition.
you're the one I've been hearing so much about. The Greybeards believe you to be Dragonborn. I hope they're right. Anyway, I didn't go to all this trouble on a whim, so if you truly are Dragonborn, I am Delphine of the Blades, one of the last of my kind. Us Blades are destined to serve the Dragonborn, therefore, I serve you. I will follow you on your quest through thick and thin. If I have to give my life for yours on the battlefield, so be it! I am destined to go with you to the ends of the earth, for you are the one true Dragonborn, and you are my Dovahkiin! Fucking kill him!